choses pour moi. Je me tiens dans le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, et je te rends infiniment grâce. Merci Père au nom de Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse ce matin, tu peux t'asseoir. Il y a des gens quand ils viennent dans le nom de Dieu, leur bouche là s'est fermée. Mais quand ils sortent, c'est là la bouche là se lasie. Ça devient comme la bouche d'un rhinocéros, la queue d'un rhinocéros. C'est comme ça que la bouche devient. Quand ils viennent dans la maison, Dieu ne veut pas dire Amen. Ne veut pas dire, ne veut pas dire Alléluia. Ne veut pas dire gloire à Dieu. À peine que tout va finir. Sans micro, ils partent dehors là-bas, tu ensemble, tu entends les voix. C'est que vous faites pas, c'est la sorcellerie aussi. Amen. C'est pas bon. Quand il s'agit de Dieu, on n'entend personne. Quand il s'agit de raconter les racontes de la vie là, c'est là que les gens sont premiers. Amen. Ils prennent le comportement du dehors pour amener ça dans l'église. Même mauvaise éducation de famille, même mauvaise éducation à l'école, même mauvaise éducation au travail, même mauvaise éducation avec la mauvaise compagnie, les mauvais camarades, les mauvaises copines, les mauvaises éducations, les mauvais comportements, les mauvais milieux là. Et ils amènent ça dans la maison de Dieu. J'écoute la parole de Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de changement de mentalité, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas de restauration. Ils écoutent la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à mettre ça en pratique. Ils n'arrivent pas à vivre selon la volonté de Dieu. Ils n'arrivent pas à marcher selon l'esprit de Dieu. Ils n'arrivent pas à se comporter selon les enseignements de la sainte doctrine. Et puis eux, ils disent qu'eux, ils sont chrétiens. Tu vas voir les responsables d'église, les leaders spirituels. Dans l'église, incapables. Ce ne serait-ce que de pouvoir marcher selon la vérité de l'évangile, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux-là aussi prétendent que eux, ils sont chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des plaisantins. Voilà pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit m'amène à vous enseigner sur le secret de l'obéissance. Le secret de l'obéissance. Maintenant qu'on a enseigné sur le secret de l'obéissance, péché rentre dans l'église ou lorsque le péché rentre dans sa vie. Le péché, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Le péché, c'est désobéir aux principes et aux règles que Dieu a donné aux humains. C'est quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu marches contrairement à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est aller contre le plan divin de Dieu, la volonté divine de Dieu. Homme frère, les gens sont enseignés dans nos églises. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens manquent d'enseignement. Ils sont enseignés à des séminaires, des conférences. Ils sont enseignés chaque jour, les dimanches, jour du Seigneur. Les gens sont enseignés. Ils sont enseignés en soirée. Ils sont enseignés tous les jours. On les trouve même souvent à la maison. On leur enseigne le plan de Dieu. On leur enseigne la volonté de Dieu. On leur enseigne ce qui est écrit, ce qui est bon pour leur âme, ce qui est bon pour leur vie, ce qui est bon pour leur maison. On leur enseigne ce que Dieu attend d'eux et ce que Dieu veut voir dans leur vie. On leur enseigne ça, mais quand matin, midi, soir. Si quelqu'un dit c'est faux, c'est qu'il n'est pas sur la terre. Amen. On vous enseigne par la télévision, par la radio, on vous enseigne par la presse écrite, on vous enseigne par tous les moyens, dans les évangélisations, dans les coins de rue, on entend l'évangile, les gens enseignent partout. Là où même ils vont aller évangéliser, ils vont enseigner. Tellement l'enseignement est rempli dans l'église quand ça déborde. Mais le vrai problème aujourd'hui de l'église, c'est que les gens n'arrivent pas à mettre en pratique ces enseignements, n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qui se souviennent le dimanche passé, en introduction, j'ai dit quelque chose. Mais comme c'était une introduction, je suis passé à dessus comme ça. Il a fait un survol de ce que j'ai dit là, sans rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails de ce survol que j'avais fait en disant que les gens ne prient pas. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Le secret de l'obéissance à Dieu, c'est la prière. Si tu veux pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas pouvoir obéir à la parole de Dieu. Tu veux pouvoir obéir aux enseignements
Si tu ne pries pas, tu n'arriveras pas. Celui qui n'a pas une vie de prière, celui qui n'a pas une vie organisée dans la prière vis-à-vis de son Créateur, ne saurait faire ce que son Créateur nous recommande de faire, ne saurait mettre en pratique la parole de Dieu. Les gens, même celui qui enseigne la parole de Dieu, s'il ne prie pas, il ne pourra pas mettre en pratique même ce qu'il enseigne. Les gens n'arrivent pas à obéir parce qu'ils ne prient pas. Vous croyez que la prière, c'est du blabla? Vous croyez que la prière, c'est une récitation? Vous croyez que la prière fait partie du formalisme religieux? La prière, c'est être en communion, en communication avec Dieu, son Créateur. Être en communication avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ça la prière. Prière, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, et aller avoir une conversation intime et étroite avec celui-là qui t'a créé, qu'on appelle Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu véritable, le Créateur. La prière fera de toi l'ami de Dieu. Parce que c'est dans la prière que tu vas te confier à Dieu. Tu vas confier à Dieu tes secrets. Et Dieu aussi va te confier. Va te confier aussi loin. Dieu va te confier aussi des secrets. Il va te révéler des mystères. Les mystères, c'est les secrets. Les mystères, il va te révéler des mystères cachés. Nous n'avons même pas besoin de connaître tes pères. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Paul va inviter les Thessaloniciens à prier. Paul dit à l'église de Thessalonique, aux frères et aux sœurs de l'église de Thessalonique, aux leaders spirituels, aux responsables, aux anciens, aux diacres, aux diaconesses, aux départements de femmes, département de jeunesse, département de travailleurs, et à tous les groupes, les familles dans l'église, il va les inviter à la prière. Et il dit, priez sans cesse. C'est un ordre. Priez sans cesse. Paul invite tes enfants à prier parce que la prière cache le plus grand secret de la vie avec Dieu. Un chrétien qui n'arrive pas à prier est deux fois mort déraciné. Il est mort spirituellement, il est coupé de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui s'étouffe lui-même, qui refuse de respirer. Sans la respiration, le corps perd la vie et on dirait que le corps est mort. Le plus grand secret de la marche avec Dieu, c'est la prière. La chose n'arrive pas à se sanctifier, à mener une vie pure, à mener une vie juste, à mener une vie droite, à mener une vie selon la parole de Dieu, parce qu'ils ne prient pas. Et quand même ils prient, ils le font hypocritement, ils le font religieusement, ils le font pour rappeler cette formalité, ils le font pour que les gens puissent les voir et les apprécier. Ça, ce n'est pas des prières. Quand on confie un secret à quelqu'un, on ne se met pas sur la place publique pour prendre le micro pour lui parler. Amen. On rentre dans son secret. Amen. Voilà pourquoi je suis à dire, si tu veux prier ton Dieu, tu veux prier le Père, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, prie ton Père dans le secret, et lui qui voit dans le secret te le répondra. Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus des farceurs, des diplomates en tromperie. Maintenant, quand on dit mentir, c'est seulement quand tu parles. Il y a rien qui demande par le comportement. Parce que quand tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, tu es un menteur. Ça nous ouvre la bouche pour dire ce que tu n'es pas. Ça nous ouvre la bouche. Tu es dans le faux. Jésus dit dans Luc 6, verset 46 à 49. Luc 6, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus dit, pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur? Et puis ce que moi, je vous dis, vous ne faites pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Celui-là qui règne sur votre vie, celui-là qui vous commande, celui-là qui vous dirige, celui-là qui est votre berger, celui-là qui est votre leader spirituel, celui-là qui est votre lumière, celui-là qui est votre étoile. Pourquoi vous m'appelez de tous ces titres-là et vous ne faites pas ce que je vous dis? Question. Pourquoi?
tu sèmes le cœur, tu vas moissonner la tempête. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair à corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, en te mêlant dans la vérité et en mêlant une vie sanctifiée, alors tu vivras par l'esprit. Amen. Les gens sont dans l'église, Seigneur, Seigneur, mais en réalité, Seigneur, là, c'est dans leur bouche. Bouche sale, ta bouche sale. Ça sent, ça pue le déchet du diable. Amen. Parce que tu as une sale vie. Amen. Une vie conforme à celle du diable. Amen. Alors que tu dois identifier ta vie à celle de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit on l'appelle le juste. Le saint. Le juste, c'est celui-là qui est droit. Le saint, c'est celui-là qui se sanctifie, qui est pur, sans tâche. La Bible dit qu'il était tentant toutes choses. Il n'a point succombé. C'est lui notre Seigneur. Il n'a rien à voir avec tous les prophètes qui sont venus après avant lui. Et tous les prophètes qui sont venus après lui. Tous sont des voleurs, des menteurs, des bandits, des voyous, des escrocs. Tous ont une vie contraire à celle de Dieu. Mais quand ça presse, ils sont repartis, puis ils ont reçu l'onction prophétique. Mais Jésus, le Saint Israël, le véritable, la Bible dit, s'appelle Melchizedek, le roi de paix. N'a point commis de péché. Amen. On ne peut pas le comparer avec quelqu'un sur la terre, dans le ciel. Amen. Personne. Au verset 47, il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi en tant que parole et les mains en pratique. Jésus dit, je vais vous montrer qui, à quoi ressemble quelqu'un qui vient à lui, Jésus là, qui écoute sa parole et qui met en pratique cette parole. Il dit, je vais vous donner à qui il ressemble. Il dit ceci, il est semblable, verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation, c'est-à-dire est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était, elle, elle était bien bâtie, bâtie, bâtie. Amen. Amen. Jésus dit, Amen. Celui qui écoute la parole de Dieu qui met en pratique, il est comme quelqu'un qui a construit une maison. Mais avant de construire sa maison, le fondement, il a creusé, 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 creusé. Sa vie à Jésus, qui a reçu tous les matériaux, les enseignements, tout ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Il s'est mis à prier, 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 parce que la prière est le fondement de ta vie. Amen. La prière est le fondement de ta relation avec Dieu. Quand tu confesses Jésus-Christ, tu commences à parler avec Dieu. Et la, ta prière à Dieu par Jésus-Christ, c'est par cette manière-là. À force de prier, de prier, de creuser, tu rends solide ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Amen. Donc celui qui creuse, tu creuses cela, qui a vu chrétien est une vie de prière, il prie, il persévère dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu, sa communion avec l'Église, sa communion fraternelle, est fondé, est appuyé à un fondement solide à cause de la prière. Et à poser le fondement sur le roc. Le roc là, c'est Jésus. Il a creusé, 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 enlevé le sable, la boue, la terre, jusqu'à trouver le roc. Il a prié jusqu'à il a dit Jésus. Et c'est sur le roc là. Il a commencé à poser ses briques pleines pour le fondement de sa maison. C'est sur le roc là qu'il a commencé à couler le béton. Amen. Une inondation est venue. Après, il a fini de bâtir sa maison dans la prière. La maison là, c'est ta vie chrétienne. C'est ta relation avec Dieu. La maison là, c'est toi ta vie. Ta vie spirituelle est bâtie sur quoi? Est-ce que c'est sur la prière? Est-ce que c'est sur Jésus-Christ? Parce que la tempête va venir, quoi? Les vents violents, il a dit, une inondation, c'est-à-dire il y a eu une inondation, comme il y a eu une inondation à Pantier, à Abidjan, et puis ça fait des morts, des victimes.
y a une inondation dans ta vie. Les problèmes vont venir dans ta vie. Tu veux ou pas? Tant que tu es sur la terre, les problèmes viendront. Il a dit, une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était partie. Elle était partie par la prière. Il dit, si tu n'as pas une vie de prière, quand les soucis de la vie vont venir, les problèmes vont venir, toi tu vas abandonner Jésus. Tu vas être prêt à faire tout dans la chair pour vivre. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui conservera sa vie. Mais celui qui entend au verset 49, mais celui qui entend, eux ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Celui qui entend la parole de Dieu et qui ne met pas en pratique, Jésus dit, il est comme un homme qui a construit une maison, mais il n'y a pas de fondement. Il a pris la capacité de béton sur le sol, il a commencé avec un bout sans creuser. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée. Et la rue de cette maison a été grande. Puisque la maison a pris spirituel, capable de parler dedans. Tu ne t'attaches pas au Seigneur pour la prière. Quand les soucis de la vie viendront, les problèmes viendront, le péché viendra, les tentations viendront, les séductions du monde se présenteront, donc tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu seras à l'église, dans l'assemblée des saints, mais tu es mort spirituellement. Tu as une vie de péché. Il y a comme ceux qui viennent ici, et puis ça bénit soit en bois de nuit. Ou ils sont en train de danser, en train de boire. Ils sont en train de tenter. Ceux-là n'ont pas de fondement, ils sont morts spirituellement. Il y a comme quelqu'un qui vient à l'église, qui continue de faire des mauvaises choses. Amen. Il n'est pas un chrétien. Sa vie est morte. C'est-à-dire qu'il vient pour gonfler le rang de ceux qui sont là, mais il n'est pas chrétien. Je t'invite à te repentir. Amen. Premièrement, Moïse. Moïse sur la montagne du Sinaï. Par la prière, Moïse va obéir à la voix de Dieu. C'est par la prière que Moïse va obéir à la voix de Dieu. Il va délivrer des mains des Égyptiens, des enfants d'Israël. Et il va vaincre Pharaon et toute son armée. C'est par la prière. Est-ce qu'on vous a dit que Moïse a soulevé la chaîne pour le pisser? Ou elle avait pistolé? C'est par la prière. Exode 24, verset 18. Exode chapitre 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse est rentré en prière pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Il allait prier Dieu. Il n'est pas allé prier fétiche. Il n'est pas allé prier une idole. Il n'est pas allé prier un marabout. Il n'est pas allé compter sur quelqu'un. Il allait compter sur Dieu. Il n'a pas compté sur un prophète. C'est un leader spirituel. Il a compté sur Dieu. Il est parti en présence de Dieu. Il allait prier Dieu. C'est dans la prière que Moïse a vaincu Pharaon. C'est dans la prière que l'armée de Pharaon a sombré dans la mer Rouge. C'est dans la prière. Lorsque Moïse a parlé à Dieu, pour dire à Dieu, voilà, nous sommes pris entre l'armée de Pharaon et puis la mer Rouge. Que doit-on faire? Dieu m'a dit à Moïse, il faut prier. Et puis il a prié, il a levé son bâton. La Bible dit que la mer s'est fondue en deux. Donc, frère, il faut qu'il y ait. Amen. Marie, oh fidèle femme, oh fidèle fiancée, bébé, la maman peut te prier. Mais quand c'est le diable, on n'a pas oublié quelqu'un. La famille aussi, on est dans les églises, on aime les gens. Je dis amen, mais il ne peut pas dire amen. Quand on a tout compte la parole de Dieu. Maintenant, comme le chou l'a touché, ce qui va t'amener en enfer, ça te dit.
Amen. Amen. Mais malgré ça, il priait. Moi, je n'ai jamais entendu une voix au titre de Dieu. Je n'ai pas encore entendu un tel point passer pour dire que c'est Dieu mon candidat. C'est toi qui ne prie pas. Ce même ton parler à Dieu passe à face à nos prières. Amen. Ce même qui est ton parler, nous avons un carrière à Dieu qu'on fait sa face. Il priait. Il prie tout à lui jusqu'à tout à Dieu, jusqu'à pendant 40 jours. Moi, même là, même là.
sorcier. Amen. Quand on va la donner, puis quand il faut écrire dans le cahier, elle ne peut pas. C'est important. Message. C'est là qu'elle peut écrire. Amen. Et puis quand il y a un message, c'est sans faute, c'est courant. Quand il y a un enfant, il faut aller au vol. C'est pas son écriture. Amen. C'est pourquoi tu as écrit pour lui. Amen. Ah, quand vous pouvez écrire ça. Voilà ma fille Mireille, voilà Nobo, madame Raymond, c'était. Voilà mon fils, Amsi. Eux, ils sont partis à l'école. Moi-même, je suis parti à l'école. Et puis, quand on écrit, c'est sans faute, c'est propre. Mais pas tout l'écrit aussi. Une phrase, mille fois. Je te connais. Voilà, tu vois. Des marmailleurs, des voleurs, des corrompus, ils ont été corrompus depuis l'école. Amen. Depuis son père, il triche. Il a triché jusqu'à il a triché. Et puis continue de tricher. C'est un tricheur invétéré. Il est même à tricher. Son âme, l'âme triche. Amen. Et là, il dort. Et puis son âme sort pour aller tricher des hommes pour le venir. Et puis c'est le matin. Non, j'ai vu la coco, j'ai vu le devoir. Le devoir est donné du professeur de français. Le professeur a déjà pris les dons. C'est un tricheur invétéré. Lui, c'est l'inspiration, c'est le tricheur fait cher. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Faut dire Amen. Il faut dire Amen. Comme quelqu'un qui vient de se désaltérer avec une eau fraîche, faut dire Amen. L'eau fraîche. Amen. Si tu ne peux pas dire ça pour c'est que tu es un témoin. Amen. Je te bénis de ce mauvais esprit qui ne va pas te dire tout à l'heure. Dis Amen, donc elle a envoyé l'eau fraîche. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Plus fort que ça, oui. Amen. Celui qui ne peut pas, il est possédé. Alléluia. Que le Seigneur soit là. Amen. Trois fois par jour, Daniel priait. Daniel, dans la prière, il arrivait à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Dans la prière. Le roi Darius, sous l'inspiration, la dictée, le conseil de ses conseillers, il va prendre un décret pour dire pendant 30 jours, c'est lui Darius, on va prier et pas un autre Dieu. Daniel a désobéi à Darius, le roi puissant de la terre, de l'ancien monde. Et il a prié l'Éternel, son Dieu, durant ces 30 jours. Daniel priait matin, midi et soir, trois fois par jour, et il louait Dieu. Amen. C'est par la prière qu'il a désobéi, aux hommes qui ont obéi à Dieu. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Quand les hommes vont crier, car ils vont soulever leur épée, tu vas te soumettre à eux. N'a-t-il pas dit, on doit-il obéir à Dieu ou aux hommes? Tellement vous avez peur des humains.
que vous les obéissez aveuglement dans leur péché, dans leur égarement. Au lieu d'obéir à Dieu. Celui qui ne prie pas ne peut pas obéir à Dieu. Si tu ne pries pas, tu seras confronté à une situation où tu seras obligé d'obéir aux hommes pour laisser Dieu. Mais celui qui prie, même s'il ne se confronte pas aux situations des humains, même si les hommes sont confrontés à lui, il va préférer mourir que de désobéir à Dieu. Mais ça, c'est par la prière. Et la Bible dit, Daniel priait trois fois par jour à cause de cette situation. Il priait pour avoir la force d'obéir à Dieu. Il priait pour avoir la force de pouvoir demeurer fidèle et loyal à son Créateur. Et à ne point se tourner vers le roi du monde ancien qu'on appelait le roi Caïrus. Le roi de toute la terre. Il avait le pouvoir de vie et de mort sur tout être vivant sur la terre. Que ta mère a obéi à Dieu pour les gens. Jésus-Christ, troisième. Jésus va lui-même là, il va prier toute la nuit. Et puis Jésus va enseigner la prière. Là, lui-même, il est Dieu. Mais lui-même, quand il est venu sur la terre, il a pris un corps humain, il priait. Pour moi, une vermine comme moi ici. Toi, tu n'es rien comme moi ici. Tu voudrais pêcher des fourmis. Nous, on est poussière. Sinon, on va prier. Dieu l'a venu sur la terre. Il a pris un corps, mais il priait. Amen. Alors, il va prier. On va prier. On va prier. Le pasteur va prier. Le pasteur va nous chercher. On va prier. Amen. Pourquoi on peut prier sur moi? Quand? Moi, tout à l'heure, je prie. Moi, je prie. 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 Il y a des gens qui ont pas essayé de prier, donc il n'y a pas de suite. Maintenant, comme c'est sur moi, mes prières du contact, quand tu vas y prier, on va prier. Jésus lui-même là, il priait. La Bible dit en Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Qui a pris toute une nuit comme ça à prier? Tout le temps, toi, tu as prié jusqu'au matin. Qui a fait ça? Ce n'est pas le cas, regarde maintenant. C'est un mot souverain plus que la prière. Je ne vais pas prier. Moi, je priais pour vous. J'ai pris, mais ça ne change pas. Je suis même là. Il priait aussi pour ses disciples. Mais là, c'est vous aussi priez. Et puis, l'enseignant, la prière. Si Jésus prie pour toi, toi tu es sûr que tu n'as pas de prier encore. Ah! Mais pourtant il dit, il faut prier. Il dit, je suis votre avocat auprès du Père. Donc je dois être serein. Mais malgré ça, il faut être prudent comme les serpents. Et puis il dit, priez. Bien que je sois votre avocat, la vie peut être déjà acquise. Mais demeurez vigilant, demeurez ferme, demeurez parfait dans la prière. Demeurez dans la prière. Vous avez quatre catégories de prière. Choisissez lesquelles vous voulez et vous priez. Amen. Les gens de prière, ils n'ont pas prié jusqu'à matin, ils sont venus dans la maison de Dieu. Quand elles demandaient, ils n'auront pas le courage de donner la leur petite moi ici. Tellement le péché est dans un cœur, le mensonge. C'est vrai que des prières jusqu'à matin, elle vient arriver là-bas, elle va. Quelle est la pour vous que les chiens fassent? On quitte là-bas. Le moment où ils sont ici. Je ne sais pas. Il y a une fois, les juifs ne prient pas. C'est leur prière. Seigneur, merci, tu m'as gardé toute la journée. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Tu n'as pas prié. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. La vie de l'église repose sur la prière. Amen. Il y a même si les gens prient, je suis fatigué de parler. Non, il parle. C'est que les gens prient. Nous casser. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ça qu'ils ont parlé. Mais c'est qu'ils n'ont pas essayé de dire que je suis fatigué.
y a des gens qui ont pris. Dis-le-moi. C'est les enfants, c'est pas les enfants. Et ceux qui sont là-bas, là, j'en ne vais pas répéter, répéter, répéter pour eux. Bon, je suis ici. J'ai vu une fois, trois fois. Tu n'es pas le seul. Moi, je me cherche. Vous pouvez faire mon temps avec quoi, et puis à cause de toi, je vais mettre mon frère. Je suis pas le temps. Moi, je continue ma route. Je ne prie pas. L'église, le pasteur, il a ses conseillers, il a ses anciens, il a ses diacres, il a ses diaconesses, il a ses assistants. Tout cela va prier, va s'organiser avant de prier. Vous savez, le pasteur, c'est lui qui prie. C'est lui qui vous savez que Dieu va apporter l'inspiration. Vous êtes au-dessus de nous, ne priez pas. Ils vont parler dans la chair. Quand des responsables de l'église ne prient pas, c'est la chair qui va se manifester, c'est l'intelligence humaine, l'intelligence divine, c'est qui est de Dieu, elle n'est plus là. Amen. Puis la chair se manifeste. Amen. Vous croyez que l'Église a besoin de conseils, d'intelligence humaine? Vous croyez que l'Église a besoin de la sagesse humaine? Non, l'Église a besoin de la parole du Seigneur. Amen. L'Église a besoin de connaître ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut, là, c'est dans la prière, hein, pour obtenir ça. Amen. On ne s'assoit pas pour réfléchir dans la chair, pour lui dire, de lui parler. Je ne suis pas élevé là, passer à l'école pastorale, parce qu'il y a des diplômes en théologie. Venez voir la Bible, puis je dis, je ne parle pas de non, c'est pas pour. Je prie! Amen. Et c'est dans la prière que Dieu va me dire, va enseigner ça. Amen. Puis je me lève, je vais enseigner. Amen. Souvent, il me donne des versets bibliques, souvent, il me donne des thèmes. Et puis maintenant, moi, je prends la Bible, puisque j'ai étudié la Bible. Je sais où tel verset peut se trouver pour soutenir ce que Dieu m'a dit. Hein. Puis je viens, puis je prêche. Amen. Soit je ne connais pas ma chair. Je suis rentré à l'école. J'ai étudié l'école de plan. J'ai fait l'école pastorale. J'ai deux diplômes pastorales. Bon. Il y a pourquoi vous voyez pour une tâche de nuit. J'assiste à plein de conférences. Il y a des diplômes même en prière même. Dans les hôpitaux, tout ça là, c'est ça. Mais c'est pas ça là qui m'a prêché. C'est pas ça qui va arriver la bonté de Dieu. La bonté de Dieu se trouve dans la prière. Amen. Mes diplômes là font pas le message. Le message là se trouve dans la prière. Dans la présence de Dieu. C'est là-bas que ça se trouve. Amen. Ce que j'ai appris là est venu aiguiser mon intelligence. Mais ce n'est pas l'inspiration. L'inspiration, c'est dans la prière. Lorsque la volonté de Dieu nous est révélée. Mais comment on fait pour ça, la volonté de Dieu? C'est dans la prière. Amen. Vous savez, combien de fois on a regardé les gens qui sont venus prier chaque dimanche matin avant qu'ils viennent. Et comment je fais pour apprendre les prières? Il n'y a personne parmi eux qui va demander. Personne ne va se dire, je prie pourquoi on ne vient pas prier. Personne. Moi, si je les regarde. Et s'il est fatigué, il parle. Quelqu'un est fatigué là. Il peut être fatigué, il passe à autre chose. Il passe à autre chose, il peut continuer ma route. Ce que tu veux faire, trop faire, ce que tu n'es pas faire, tu peux me laisser. Moi, je continue ma route. Je vais vous laisser le jeu. C'est pas un jeu. L'église, je vous dis que ce n'est pas une association. Amen. C'est pas un mouvement de soutien. Vous n'êtes pas là pour me soutenir. Non. Vous n'êtes pas là pour me soutenir à moi. Hein. Jamais. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous travaillons au bien des spirituels des âmes égarées pour les amener à la repentance, au changement de mentalité, à changer de vie. C'est là que nous travaillons. Amen. C'est pourquoi nous travaillons.
Amen. Dieu m'a dit ce qu'il va faire. Et puis ce que vous devez faire, moi aussi, il m'a dit, vous êtes plus petit. Mais tout le monde a cassé la joie, c'est moi, les gars. Il y a des gens qui viennent me voir pour expliquer un problème. Ah, parce que voilà, tant. Comment je fais? Je dis, papa, je vais prier. Mais quand les responsables ils sont assis là, ils font des réunions, c'est-à-dire que la réunion n'a pas été une réunion préparatoire. Et puis on vient discuter devant les gens. C'est-à-dire qu'un se chamaille en présence de ceux qui disent là. Quel exemple, quel modèle vous laissez? C'est un garçon, nous sommes venus hier, je suis venu faire quelque chose par rapport à une personne. Et puis je leur parle de ça. Ça dit, ça n'est pas ça. Et ça fait plusieurs fois que je remarque ça. Mais les gens s'en fichent, moi, pas mon Dieu. Moi, je suis un gars, moi, il parle beaucoup, mais j'ai très honte. Moi, je ne sais pas qui est qui discutait, mais souvent, je les entends discuter quand ils font la réunion. Et puis, c'est souvent, ils font avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est même pas le bureau restreint de travailleurs ou le bureau de gain. C'est toujours eux. Et ils font parler là-bas, devant les autres. Moi, pour les gars, souvent quand tu parles trop à quelqu'un, tu arrives sur le lit, faut te taire sur le laisser faire. Souvent les gens, chaque fois tu dis son péché, un jour si tu te taire, t'as mis sur le lit. Donc tu te taire. Hier j'étais solo, je dis je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Comme eux n'ont pas honte de discuter publiquement, c'est jamais en public. Ils vont, mon Dieu, ils n'ont pas honte aussi de parler ça aussi devant vous aussi. Matthieu chapitre 14 verset 3. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Je suis monté sur la montagne pour prier à l'écart. Matthieu verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus même nous prions. Prière toute la nuit, prière toute la matinée. Il s'est retiré seul dans son corps pour prier. Pas ici. Si on dit aux anciens, aux diacres de Christ, aux assistants, voilà, ça veut dire que le mois prochain, on va faire une semaine de retraite spirituelle. Où on va aller faire un jeûne sec du lundi au dimanche, sans manger, sans boire, pendant une semaine. S'ils n'ont pas créé de fou par fou, dis qu'ils n'ont pas le temps de venir. Là, on va tous même pouvoir s'asseoir de vous dire, à travers ce moment, le passé du Christ, il n'y a qu'à aller jeûner sur le pied pour vraiment nous mettre dedans. Pendant une semaine, tu manges pas, tu bois pas. Et puis tu pries, hein? On prie à genoux, 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 on prie à genoux. Si mon père m'a maudit, ou alors si mon père frappe une femme, c'est que grave. Et
2001. Je prie de me donner des responsables. Je suis pas capable de faire plus. Et puis on va aller jeûner pendant des jours. Et puis on allait jeûner. On n'est pas parti à manger. On n'est pas parti à l'eau. On n'est pas parti à quelque chose. On allait jeûner jusqu'à les jours. On est en jeûne sec. On prie, 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 on prie jusqu'à le jour où le jeûne là devait finir. Dieu va nous envoyer. Hérissons dans notre petit coin de prière. Trois hérissons, j'ai dit bien, trois devant nous. Et puis le Seigneur dit, mangez-le. On a attrapé, on a fait cuire, on nous a mangé. L'autre se lève, il dit non, pasteur, c'est trop, il faut que je chasse encore. Je lui dis, tu n'as plus en trouver. Parce que le Seigneur lui a dit que son homme va descendre, on a fini de manger. Il s'est promené dans toute la douceur. La guillemette ne l'a plus. Je me lève, je prends deux ou trois, je dis bon, allons, on va aller chez sur une montagne. On va aller chez sur une montagne là-bas. Pendant des jours, on rentre dans le secret, on ne va pas avec le portable, rien, tout est en famille. Tout le monde, et puis on s'en va en prie. Quand Dieu ne nous a pas parlé, ou quand Dieu s'est pas arrivé, de manière extraordinaire, on ne bouge pas dans la montagne. Parce que c'est vrai, demande à quelqu'un. J'avais un petit village, frère. Quand on peut remettre ça. Ça va jamais arriver. Amen. Amen. Je vous dis, si ils sont trop fâchés, les diacres, les anciens, les responsables, conseillers, conseillers spéciaux, conseillers spéciaux. Ne regarde pas moi, il est mouru. Toi, tu pries. Conseiller spécial, toi, tu pries. Toi, tu pries des éléments à vous, tu pries. Et calme. Vous priez. Quand là-bas, on voit quelqu'un qui est tombé d'un arbre. Quand tu brilles, quand tu brilles. Jésus lui-même là, il priait. Il se mettait à l'écart pour prier. Et puis après, il va enseigner ses disciples à la prière. Il va les enseigner à la prière en Matthieu 6, verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière va sanctifier ta vie. Amen. La prière hypocrite, là. Il ne prie pas à l'église. Oh, il ne prie pas. Je vois l'ancien qu'on a quand il dit à la capri. Il dit adoration, prions. Quand il dit on va prier pourtant. Tu ne sens même pas les gens prier. Tu ne sens même pas les gens prier. Jusqu'à ma fille. En train de lui trouver à la maison. Oui, papa, j'ai un problème. Il dit quoi? Elle dit non, moi je ne comprends pas l'église. Il n'y a plus la fille comme avant. Il dit à quoi? Elle dit mais les gens prient pas avant. On priait, mais les gens prient plus. Mais c'est que tu vois là. Elle se plaint. La vie plaît toi. Continue de te plaindre. Mais faut bien comme moi. Quand tu plains, quand tu es, quand il faut prier pour toi, je prie pour toi pour te réveiller parce qu'il faut laisser les gens. On est fatigué. Ouais. Les gens prient pas. Et puis ils veulent que leur vie soit conforme à celle de Dieu. Ils veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Les gens prient. Il y a des choses que tu pourras faire. Il y a des choses que tu ne pourras faire. Il y a des choses que tu peux faire pour le Seigneur, même si tu ne pries pas. Mais les choses que si tu ne pries pas, tu n'arriveras pas à faire. Amen. Ça là, tu dois savoir ça. Ce n'est pas seulement les responsables, mais tout le monde ici est concerné. Tout le monde sans exception. Petits et grands, on doit s'accorder à la prière. Jésus dit, quand tu pries, ne sois pas hypocrite. Ne prie pas comme ces gens-là qui viennent se mettre pour prier pour qu'on puisse savoir qu'elles soient en prier. Si tu veux prier, tu peux arriver là-bas pour prier et puis tu es sincère.
machin crie, Mais les gens te voient prier là, c'est pourquoi le passé de qui prie. Mais c'est pourquoi tu pries, c'est que tu ne vas pas prier Dieu. Tu es un féticheur. Faut prier. Amen. Je vois des gens qui passent leur temps, toutes les journées sur portable. Ce n'est pas YouTube, c'est Instagram, Facebook, TikTok. Non, TikTok. C'est comme ça. Quand on va dire prier, chacun sait son temps. C'est pour ta vie qui est de prier. Amen. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même que moi je t'invite à la prière. Amen. C'est pas pour moi, moi je prie déjà. Amen. Moi je suis un homme de prière. Si tu ne crois pas, va te demander, tu vas te dire que l'homme là il prie. Moi je suis un homme de prière. Amen. Je parle à Dieu. Je prie jour et nuit. Je crie à mon Seigneur. Je prie. Je prie. Je passe à la prière. Je prie. Et puis là, si Dieu veut là, il me parle. Si Dieu ne me parle pas, moi il me parle. Il ne me parle pas. Il m'apporte vision. Il m'apporte songe. Il ne me parle pas. Moi je prie, je m'en fous. Amen. Je sens sa présence. Je ne sens pas sa présence. Je prie. Amen. Il y a onction, il n'y a pas onction, je prie. Amen. Mais le support, c'est ma bouche, non? Tant que pour ça, c'est pour moi. Et puis il y a une langue dedans. Et puis ça peut s'exprimer. Il n'y a pas à Dieu. Je suis fatigué, je ne suis pas fatigué, je prie. Et puis moi quand je prie, puis je sors là, puis fait ça, je suis fâché en même temps. Je me donne coup de poing, ça te boum. Tu es fou de dormir. Réveille-toi, tu vas prier Dieu là-bas. C'est moi qui te commande ce corps là, c'est pour moi, c'est pas pour rien. Tu n'as pas le droit. Pourquoi toi tu as dormi? Tu es fou bien quoi. Quand tu pries, toi tu dormis. Demain après mon yamakou, je bois. Ça me brûle, ça me réveille. Oh, il m'a pris un citron, je bois, c'est amer. Ça frappe mon visage. Quand là, toi, t'es lié. Et puis, tu vas faire ce que Dieu veut. Moi, je veux que tu pries, tu vas prier. C'est pas toi qui me commande, c'est moi qui te commande. Tu n'as pas d'ordre à me donner, c'est moi qui te donne des ordres. Les gens, les corps, les commandes. Et il dormit un petit temps. Il s'est fatigué. Par le sud, féminisme, les corps, les gens. Un jour que tu as la paresse de manger, quand tu as fini, quand il s'agit de prier Dieu, on a la paresse, tout le monde veut dormir, tout le monde ne veut pas faire des efforts. Tu vas réveiller ta femme, chérie, 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 il faut te lever, on va prier. Et si parce qu'il faut dormir après, elle est prête. Quand tu arrives pour un jour, là, elle est prête. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne vais pas mettre, c'est l'inverse. Quand ta femme va te réveiller, Chérie, on va prier. On va pas prier après moi. Et puis, toujours nous, on n'a pas de temps, on se fâche. Amen. Bon. Maintenant, c'est que tu réveilles. Bébé. Quand elle dit chérie, c'est pour prier. Mais quand elle dit bébé, là. Le salaud. Amen. Tu sais, c'est pour aller où? Amen. Dans la diva, il est fatigué. Amen. Dans la diva, il a sommeil. Quand elle dit bébé, lui, il manque. Voilà, la femme, la sorcière veut dire la vérité, démasquer les chefs, on dit Amen, hein? Amen. Amen. Tu vas dire aux enfants, faut prier. Moi, mon enfant, c'est moi qui te commande. Quand tu pries, tu es fou, bien quoi. Tu pries pas, tu es dans la maison, tu ne manges pas. C'est parce que j'ai pris que Dieu me donne à manger. Toi, tu es fou, bien quoi. Tu vois qu'elle dormit, bien eu ça. J'ai pris. Donc, tu vas prier. Soit sa mère de Dieu, quand elle est minuit, il dort. Il dit, va dormir mon petit. Va Dieu t'a dormi. Il est là, hé, 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 hé. Moi, j'avais prié quand je suis. 2 heures du matin, moi, il ouvre la porte. Mon frère, il faut 2 heures prier. Il faut prier 1 heure de temps, moi, il dort. Et puis, il va prier. Tu vas prier. T'es chinois. Tu vas pas chez toi, si tu ne vas pas prier, mon fou. Mais tant que tu es sous moi, ma tutelle, c'est moi qui dors chez moi. Quand il dit, tu vas prier, tu vas prier. Amen. Attends, moi, il ne dort pas. Et puis là, tu as dormi, imbécile. Pourquoi? Moi, je dois boire une main. Je prie, tu vas prier. Tu vas prier. Il n'y a jamais, il n'y a quand même pas qu'il faut prier. Peut-être même, ils ont déménagé, même la chambre, dans le salon. Vous voyez, vous venez que le salon est caté, c'est pour faire ça. Quand il est pour moi, j'en entends. Il n'y a pas de chambre.
femme devant toi, tu vas prier en prière. Faites prier vos enfants. Amen. La prière, là, c'est forcé. Tu dis, tu pries, hein? Et puis je te regarde. Tu te convaincu. Tu prends ta chaise, tu as là. Prie. Je suis venu Dieu pour toi. Il va prier Dieu. Et puis quand tu l'as prié aujourd'hui, tu es assis là. Pendant 45 minutes, pendant toi, tu dis une Bible. On va prier là. Et puis il va entendre ta prière. Hein? Va prier forcé. C'est mon Dieu. C'est pas mon Dieu. Moi, je m'en fous. Tu vas prier. Si tu veux, il faut faire semblant. Je m'en fous. Tu vas prier en prière. Tu vas parler à Dieu forcé. Au bout de la fin, il dit amen. Il faut donner le nom. Tu es fâché, puis tu te couches. Je m'en fous. Si tu es trop fâché, là, quand tu as gagné, tu vas dormir. Mais chez moi. Et tes sinon. Tu vas pas ici. Tu vas bien au lion. Tu vois qui m'appuie. Okay. Voici comment vous devez prier. Jésus l'a enseigné. Jésus dit quand tu pries, il faut être hypocrite. Il ne faut pas faire semblant dans la prière. Il faut prier sincèrement. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David est un homme sincère. Pour prier semblant. Ça va être femme qui prie pour que la mari puisse prier. Il y a des maris qui prient pour que la femme puisse prier. Il faut prier. Il y a des gens qui se mettent à genoux. Il a genoux, non? Non. Et puis, à 4 heures, c'est levé. Et j'ai prié toute la nuit. Tu n'as rien prié toute la nuit. Mais il faut t'aimer d'abord. Ma fille, Mme Conan, elle la connaisse. C'est moi, je la prie à prier. Amen, c'est ça. Et puis, c'est une femme de prière. Elle prie jusqu'à aujourd'hui. Amen. Elle prie. Souvent, les gens, elle est en train de prier. Elle est en train de prier. Et puis, ma partenaire de prière de Jésus depuis 1903, depuis 2002, toi la femme, là, nous on prie ensemble, on médite la parole de Dieu ensemble, on a évangélisé ensemble, frère faux, et puis tu laisses le monsieur les dons. Et donc, il prie un peu le même télévision. Tu le réveilles. S'il fait pas là, tu viens me chercher. Je vais le trouver là-bas. Il va se sentir. Tu crois que si elle dormait quand elle donne ta vie à Jésus, c'est parce qu'elle a appris qu'elle a donné ta vie à Jésus. Gazelle, moto, voiture, avion. Tu te vois là. C'est parce qu'elle a prié qu'elle t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Jusqu'à l'ancienne ancienne de notre conseil spécial du pasteur. Que ce jour est dangereux. C'est prière de la femme. Il faut dire amène là-bas. Tu vas offrir pour les fêtes de fin d'année là. Un panier colonel de 50 000 francs. Colonel quand tu n'y pas là, c'est quand tu mets à 45 000 francs. Il n'y a pas 50 000 francs. Alléluia. Oh, je dis de dire amen. Hein. Paul, pour terminer, Paul priait à l'un de plus que vous tous. Il dit à 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle à l'un de plus que vous tous. Les gens qui ne prient pas à l'un, vous avez un problème. Priez à l'un de plus que vous tous. Paul dit que lui priait à l'un plus que tout le monde.
prendre la gamme là. Mais ça va pas pour prier à l'ango. Mais pour prier à l'ango là où. Faut t'asseoir. Va prier. On va enseigner quels sont les bénéfices de la prière maintenant. L'important de la prière là, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle à l'homme ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Il dit des secrets à Dieu. Celui qui vous dit, vous qui parlez en langue, on est passé par ta vie, non, Seigneur, faut prier en langue. Paul dit, quand tu pries en langue, c'est des mystères que tu dis à Dieu. Ça, c'est la première chose. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Toutes les prières en langue sont exaucées. Mais tes prières en langue intelligibles, ça peut être exaucé comme ça peut ne pas être exaucé parce que toi tu demandes souvent tes désirs, souvent qui ne sont pas, qui ne collent pas avec le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Mais quand tu vas prier en langue, en langue, en langue, en langue, en langue, en langue, le Saint-Esprit dit des mystères à Dieu en ta faveur. Et il parle de soupirs inexprimables. Il parle à Dieu pour toi. Tu vas prier en langue. Comment tu pries pas en langue? Et puis tu ne cherches pas de parler en langue. Alors que prier en langue, tu n'as pas besoin de réfléchir. On ne calcule pas. Rébolo, voilà, pour le reste du monde. La Bible dit, celui qui prie en langue, son esprit demeure stérile. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de réfléchir pour prier. Parce que je parle en langue, des langues que moi je ne comprends pas, que seul Dieu comprend. Les démons ne comprennent pas ça. Mais quand tu commences à dire, oh Seigneur, je veux du travail. Satan entend ça. Les démons disent, oh, c'est travail, c'est on le bloquer. Mais quand tu dis, rabakoko, rakara, et abakoka, Satan comprend, toi tu comprends rien. Amen. Satan comprend rien. Le seul qui comprend ça, c'est Dieu. Amen. Et puis toujours Satan sera surpris. Il sera surpris. Surpris par les miracles. Surpris par les miracles. Surpris par la puissance de Dieu. Surpris par la défaite. Surpris parce que tu seras un vainqueur. Non, même quand il prie en langue, parce que Dieu l'a exaucé. Mais c'est la prière qu'il faut faire. Quand tu pries en langue, prie en langue seulement. Tu ne veux plus jamais prier en français. Tu dois prier en langue et te dire, ou en français, tu as soin de l'assemblée. Mais toi seul, il faut passer tout ton travail. Tu es au travail, tu es à la maison, dans ce que tu fais, même au travail. Mais la femme, elle doit être forte dedans. Parce que normalement, la femme, elle parle beaucoup. Donc toi tu aimes parler beaucoup là, faut faire apprécier avec Dieu chaque jour. Tu fais ça avec Dieu chaque jour. Tu aimes parler donc, faut parler à Dieu. Tu prends un bougeant pour t'asseoir, vous parlez de ce que tu l'as fait, vous avez fait malin. Hein, comme elle est jolie à pile, elle avait fait malin. Hein, tu vois Samuel là, comme le pasteur a dit son nom là, elle se gonfle comme ça. On dit, il faut pas la pour dire, Robada Machaka, Robi Kataram, Braga Bosso, le Braga, Brokana, Braga Conte, Braga Bolo Conte, Braga Conte, Yes! 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 Y
faut faire. Amen, amen. C'est ça là, il faut faire. Maintenant, si tu n'as pas la foi, demande au oh, Seigneur, donne-moi de prier à la langue. Oh Seigneur, donne-moi le don de la langue. Oh Seigneur, donne-moi le don. Faut demander à Dieu. Amen. Tant qu'il te donne pas, tu ne lâches pas la foi. Ça arrive jusqu'à ce qu'il va te donner ce qu'on a fait. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église, se construit et se renforce. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il devient de plus en plus fort, il devient de plus en plus puissant, il devient de plus en plus persévérant, endurant, dynamique, il devient de plus en plus juste devant le Seigneur. Mais celui qui prophétise, c'est celui qui prêche, qui annonce la parole, c'est pour l'église qu'il le fait. Mais celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Une maison qu'on a creusée, 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 jusqu'à trouver le bloc et puis mettre le fondement. Fais comme toi. Que le Seigneur te bénisse sur la terre. Que ta foi fasse grâce. La prière conduit à l'obéissance. Que l'obéissance au miracle et à la victoire. Contre toute adversité. Les gens sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas une vie tournée vers la prière. Les gens n'arrivent pas même à pratiquer la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas une vie tournée vers la prière. Les gens n'ont pas une vie rangée. Ils ne peuvent pas s'identifier à Christ parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Amen. Le secret de l'obéissance à Dieu, c'est la prière. Amen. Si tu ne peux pas prier, moi, c'est plus qu'une solution à prendre pour toi. Tu peux avoir tous les enseignements, tous les livres, toutes les connaissances. Tu peux avoir participé à toutes les conférences, tous les séminaires. Mais si tu n'as pas une vie de prière pour accompagner cette connaissance, ce savoir que tu as reçu, la part que tu as, de se refaire et lui mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur te bénisse et ta conscience. Au nom de Jésus-Christ. Amen.